Soubirous. Soubirous. Si tu trouves un bonheur, tu trouveras plus du travail. Bonjour, monsieur Maison Grosse. Rien pour toi aujourd'hui. Comment veux-tu que j'emploie quelqu'un alors que je n'ai pas assez à faire moi-même? Les gens ne viennent plus chez le boulanger. Non, ils vont chez le pâtissier, parce que c'est plus chic. Donnons de boire à l'hôpital. Le rhum de peine les a lâchés pour aller à Tarbes hier. Merci, monsieur. Emmenez ça tout de suite aux ordures à Massabielle et brûlez bien tout. C'est plein de putréfaction et de microbes. Un don surnaturel que Dieu nous accorde par pure bonté. Pourquoi ce don est-il appelé grâce? Ce don est appelé grâce parce que Dieu nous l'accorde sans que nous l'ayons mérité. Oui, c'est exact. Si ce n'est que vous avez oublié le plus important, à cause des mérites de Jésus-Christ. Mon enfant, ne l'oubliez jamais, car par ses souffrances et sa mort, il nous a permis de gagner le ciel. Qu'est-ce que la Sainte Trinité? J'ai demandé qu'est-ce que la Sainte Trinité?
Vous ne m'entendez pas? Si, ma sœur, je vous entends. Mais je ne sais pas quoi vous répondre. On ne vous en a pas parlé. Peut-être que si, ma sœur. Vous m'étonnez, mon enfant. Êtes-vous indifférente ou tout bonnement stupide? Je suis stupide, ma sœur. J'ai beaucoup de mal à apprendre mes leçons. Vous êtes effrontée. Vous êtes une grande fille, Bernadette, la plus vieille de la classe. Il est inexcusable que vous ignoriez la Sainte Trinité. Mettez-vous au bout du rang. Y a-t-il, Marie? Je veux seulement dire que ma sœur Bernadette était malade quand on nous a appris ce qu'était la Sainte Trinité. Elle manque beaucoup l'école. Elle est toujours malade. Qu'est-ce qu'elle a? On dit que c'est de l'âme ou quelque chose comme ça. Vous voulez dire de l'asthme? Oui, ma sœur, c'est ce que le docteur Dozou a dit. Elle respire mal. Quelquefois, elle souffle comme ça. Les rires nous font perdre un temps précieux. Reprenons nos études. Toinette, expliquez à Bernadette le mystère de la Sainte Trinité. La Sainte Trinité est un seul Dieu en trois personnes distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sœur Marie-Thérèse, bonjour. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, mes enfants. Bonjour, monsieur Curé. Je passais, alors l'idée m'est venue de savoir combien d'enfants vous prépariez pour la première communion. 6. Nous étions en train de repasser notre catéchisme. Bien. Tout le monde sait son catéchisme? Oui, monsieur le curé. Bien apprendre son catéchisme demande beaucoup d'efforts. Je crois que cet effort mérite une récompense. J'ai là des images saintes. Ça vous plairait? Oh oui, monsieur le curé. Très bien. Allez, voilà. Lorsque vous serez plus grande, vous verrez qu'en apprenant votre catéchisme, vous serez en possession non seulement de la base de l'enseignement religieux, mais aussi d'une doctrine qui sera pour vous un guide toute votre vie. Je regrette, monsieur le curé. Cette petite ne la mérite pas. Ce ne serait pas juste vis-à-vis des autres. Elles ont appris leur catéchisme et elles, non. Bien, c'est dommage, je regrette. J'espère que cela vous stimulera. Étudiez bien. Tu as du travail. Vingt sous? Chez le boulanger. Où alors? Chut. Ne me le demande pas. Tu n'as pas mendié. Pire. Il a fallu que je transporte et que je brûle la pourriture de l'hôpital. Voilà le genre de travail qu'on offre à Soubirous. C'est ici qu'on le laisse vivre. Soubirou, le meunier, qui faisait la plus belle farine de la région, habite un cachot trop froid et trop humide pour des malandrins. Ça n'était pas assez bon pour la racaille, mais pour Soubirou et sa famille, c'est bien assez bon. Ils peuvent y geler en hiver et y rôtir en été. Qu'ils soient malades ou crèvent, qu'importe. Entre, Jeanne. Maman, Jeanne est venue aussi. Elle va m'aider à apprendre mon catéchisme. Très bien. Il y a toujours de la place pour un de plus. Asseyez-vous tous. Pas pour moi, madame. Je n'ai pas fini. Attends, vous attendrez. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, celui qui mange le plus vite est le mieux servi. Mais Justin, où as-tu appris ça? On va en enfer quand on dit ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Celui qui mange le plus vite est le mieux servi. Et c'est vrai? Oh, voilà que tu le redis. J'ai vu des cochons qui se tenaient mieux que vous et qui étaient plus propres. Quittez cette table et allez vous laver. Tous les deux. C'est le sang de foire ici, hein? Comment voulez-vous qu'on dorme avec ce vacarme? Excuse-nous, papa. On gèle ici, que quelqu'un attise le feu. Il n'y a plus de bois. Alors, faut que j'aille chercher le bois aussi. Je travaille dur toute la journée, tout ce que je demande, c'est un peu de paix et de chaleur. Et qu'est-ce que j'ai? Je suis gelé. Est-ce qu'il faut que je fasse tout ici? Je vais chercher du bois, papa. Je peux aller aider Marie, maman. Non, je te le défends bien pour que tu m'attrapes encore un bon rhume. Mais maman. Si je me couvre bien, maman. T'en prie. Maman! Oh bon. Mais couvre-toi bien. Maman! Je peux y aller aussi? Non. Oh, je t'en prie, maman. Tu vas rester ici et passer le reste de la journée à demander pardon à Dieu. Louis. Louis. Qu'est-ce qu'il y a, Croisine? C'est le petit, encore ses convulsions, je ne sais plus quoi faire. Viens m'aider, Louis. Calme-toi, Croisine. Rentre chez toi, je te rejoins dans une minute. Je t'en prie, viens tout de suite. Maman, est-ce que je peux y aller? Non. Oh. Reste ici avec ton frère. Ça ne te fera pas de mal de prier aussi, toi. Vous, les petites, rentrez avant qu'il fasse nuit. Allons, Bernadette! Dépêche-toi! La dernière qui passe le pont est une grosse bête!
Bonjour, Bernadette. Bonjour, Madame Niccolo. Tes parents vont bien? Oui, ils vont bien, merci. Comment va votre fils, Monsieur Antoine? À merveille, merci. Et Mademoiselle Bernadette? Je vais bien, merci, monsieur. Il faut que je me dépêche, ma sœur va se demander ce que je suis devenue. Je peux traverser votre pont? Autant que vous voudrez, sans droit de péage. Merci, monsieur. Attendez, laissez-moi vous aider, ce pont n'est pas très facile. Elle devient une belle jeune fille, tu ne trouves pas, Antoine? C'était le diable lui-même. Je ne voyais plus que tes yeux et ta bouche. J'aurais voulu vous y voir. Il y a un gars d'autre côté. Allez, suivez-moi. On va traverser. C'est une propriété privée là-bas. Qu'est-ce que ça fait? Si on prend du bois là-bas, c'est du vol. Du bois, c'est du bois. Sois pas si froussarde, Bernadette. Je ne suis pas froussarde. Mais si, tu l'es. Viens, Marie, allons-y. Ah, c'est glacé, Marie. Tu vas encore tousser, ton âme va m'empêcher de dormir. Je peux peut-être traverser en sautant de pierre en pierre. Oui, et tomber à l'eau. Et quand tu te seras bien mouillée, ne viens pas me demander de te sécher. Mais si je me suis bien les pieds, je n'attraperai pas froid. Oh, on n'a pas besoin de toi, voyons. Viens, Marie, allons-y. Reste là jusqu'à ce qu'on vienne. Mais à trois, on n'en peut plus qu'à deux. Thank you.
Tu vois, je te l'avais bien dit qu'elle s'en irait. Non, non, n'ouvrez pas ça. Elle est quelque part. La voilà. Oh, voyons, si elle était morte, elle serait par terre. Tu as déjà vu un mort rester à genoux? Alors pourquoi ne part-elle pas? C'est pour nous faire une farce. Attends un peu. Bernadette! Qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y a? C'est à toi qu'il faut demander ça. J'ai cru que ton âme t'avait tué. Ne reste pas planté là, viens. Tu sais bien qu'on doit rentrer avant la nuit. Je viens. Nous n'allons pas traverser cette eau froide encore une fois. Toi, descends de ton côté et on te retrouvera au pont. Vous êtes deux farceuses. Cette eau-là est tiède comme de l'eau de vaisselle. Bernadette. Mais tu es complètement folle, cette eau est glacée. Eh bien, elle ne l'est plus. Regarde, mes pieds ne sont même pas bleus. Qu'est-ce que tu faisais là-bas, à genoux sur les pierres? Vous n'avez vu personne? Qui? Il y avait quelqu'un avec toi dans cette grotte? Oh, il y avait quelqu'un. Et tu priais pour te faire pardonner. Jeanne. Allons, dis-nous qui c'était. Bien. Si je vous le dis, il faut me jurer de ne pas en parler. Si maman l'apprenait, elle pourrait me donner une raclée. Je le jure. Je te donne ma parole, mais je ne jure pas. Jurer est un péché mortel, et tu ne veux pas que je fasse un péché juste avant ma première communion, hein? Oh, voyons, dis-nous. Bien. J'ai vu une dame, et elle était toute en blanc. Une dame? Et elle avait une ceinture bleue. Et elle avait une rose d'or sur chaque pied. Jamais de ma vie, je n'avais vu quelque chose d'aussi beau. Oh, quelle blague! Je me demandais un peu ce qu'une belle dame viendrait faire dans un trou pareil. Je ne sais pas. Mais elle y était. Ça, c'est bien vrai. Allez, allons-nous-en d'ici. Prends ce fagot. Non, je vais prendre celui-là. Il est plus gros et tu es fatiguée. Les petites ne sont pas rentrées? Hein? Non. Le cocher de Madame Millet est venu. Il a dit qu'il n'y aurait plus de blanchissage pour toi maintenant. Comment allons-nous faire pour manger? Je n'en sais rien. Je suis resté à me faire de la bile tout l'après-midi. Bernadette, où as-tu été? Je me ferai un sang d'encre. Mais chercher du bois, maman. Trois fagots, assez pour la nuit. Il y a autre chose à faire que d'aller chercher du bois. Balayer et nettoyer, et l'eau à aller chercher. Je vais à l'eau, maman. Je ne sais plus à quel sein me vouer. Bernadette! Bernadette! Ne cours pas! Alors, à l'école demain. Bonsoir, Marie. Maman, vite, prends ça. Elle ne devrait pas courir comme ça. Elle a couru tout le long du chemin. Même pas la rattraper. Elle va tousser toute la nuit. Bernadette est dans tous ses états parce qu'elle dit qu'elle a vu une dame à Massabielle, toute vêtue de blanc, avec des roses en or sur ses pieds. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? C'est ce qu'elle nous a dit. Des roses en or sur ses pieds. Elle a dit que cette dame était debout dans la grotte et lui a souri. Elle avait un chapelet en perles et une croix en or et Marie. Aussi... Ça n'est pas bien, ça. Tu avais pourtant promis.
C'est maman qui m'a demandé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que Marie me raconte? C'est vrai, maman. Dans la grotte de Massabielle, j'ai vu apparaître une très belle dame. Une dame? Quelle dame? Je ne sais pas. Soudainement, elle était là, et soudainement, elle a disparu. Quelle bêtise! Oh non, maman, elle était là. Son visage était si beau. Rien qu'à la regarder, je me sentais... Soubirous, tu entends ce qu'elle dit? J'entends. Et je sais pourquoi elle dit ça. Pour attirer l'attention. Une histoire pour se rendre intéressante. Ça commence toujours comme ça dans les contes de fées. Des roses en or sur les pieds. Quelle blague! Non, papa. C'est vrai, je t'assure que j'ai vu la dame. Vraiment, je l'ai vue. Entrez! C'est pour toi, chère Louise, pour avoir sauvé mon enfant. Comparé à la vie d'un enfant, c'est peu, mais nous vous l'offrons de bon cœur. Non. Non, je ne peux pas accepter. C'est le seul moyen que nous ayons de nous acquitter. Je t'en prie. Oui, Louise. Après tout, puisque nos amis veulent bien nous l'offrir, le moins qu'on puisse faire, c'est d'accepter. Mais vous en avez autant besoin que nous. Non, non, ma tante de Vigor vient de m'apporter beaucoup de choses. Nous ne faisons que partager notre bonne fortune avec vous. Que Dieu vous bénisse. Mais il y a à manger pour des jours. Du saucisson. On fait lui de la vitrine du charcutier. Bonsoir, oui, c'est magnifique. Oh, Louise. Bonsoir, Charles. Bonsoir, mesdames, messieurs. Oh, Louise, que ça me fait plaisir de te voir. Qu'est-ce qui t'amène ici? On t'a dit pour d'outre-loup. Le charretier de chez Cazenave? Oui, oui, un cheval lui a cassé la jambe. Un cheval s'est cassé la jambe? Non, c'est d'outre-loup et en trois endroits. Oh mon Dieu, c'est affreux. Oh, mais non, c'est très bien. Oh, tu n'as pas honte, Louis? Enfin, je veux dire que c'est dommage pour d'outre-loup, mais c'est bien pour ton mari. Cazenave te propose la place. C'est pourquoi je suis venu. Il donne 2 francs par jour et le déjeuner. Souvenez-vous. 2 francs par jour? Et le repas est chaud. Papa, tu me laisseras monter dans la voiture? Moi d'abord, oui. Je vais l'aider. Mais tu as l'air surprise. Après tout, il était convenu entre Cazenave et moi qu'il me donnerait la première place libre. Mais comme charretier, ben même un meunier ne doit pas se montrer trop difficile à l'heure actuelle. Tu peux dire à Cazenave que j'accepte. Il le sait, il m'a dit de te dire d'être là à 5h demain matin. Oh. Tu pleures, maman? C'est parce que je suis tellement contente. Je suis content aussi. On va fêter ça. Vous restez tous à souper. Vous soupez tous avec nous. Oh, mais ce soir, je n'ai rien de prêt. Oh, qu'est-ce que ça fait? J'ai eu de place. Nous avons de quoi manger. Oh, non, nous avons accepté vos œufs, accepté notre omelette. Pas d'histoire. Qu'on en parle. Oui, oui. Les enfants, aidez votre mère. Une succulente omelette et du saucisson, maman. Bernadette. Parle. Parle. Elle est morte ou je ne sais pas. Quoi? Elle est toute blanche. Elle fait peur. Qu'a-t-elle? On l'a emmenée chez Madame Nicolas. Elle est très malade. J'ai envoyé sa sœur chercher sa mère. Elle va mieux, maman. Elle a ouvert les yeux. Elle a ouvert les yeux. Elle a ouvert les yeux. Tu te sens mieux à présent? Oui, merci, madame. Je vais te faire chauffer un peu de lait. Oh, je vous remercie beaucoup, mais je n'ai besoin de rien. Qu'est-ce que vous avez eu? Que s'est-il passé? La dame est restée là longtemps. Et elle m'a parlé. Elle vous a parlé? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit... Voulez-vous me faire la grâce de venir ici chaque jour pendant 15 jours? Et elle a ajouté, «
Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre seulement. Alors, après l'église, on a demandé à Bernadette de venir avec nous parce qu'on aurait voulu voir la dame. Laissez-moi passer. Pardon. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a, cette pauvre Bernadette? S'il vous plaît. Bernadette! Est-ce que ça va mieux? Oui, maman. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tu as failli me faire mourir de peur. Tu dis qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. J'ai laissé brûler le dîner de ton père. J'ai couru à travers les rues comme une folle. Et qu'est-ce que je trouve? Je te trouve là, assise, comme une princesse sur son trône. Espèce de nom, on ne l'a frappé pas, Louise. C'est un ange du bon Dieu. Un ange? Elle est la risée de toute la ville. Viens, maman. Nous serons peut-être à la maison avant papa. Non. Non, je ne bougerai pas d'ici avant que tu m'aies promis de ne plus jamais retourner à Massabielle. Jamais. Mais maman, je ne peux pas te promettre ça. La dame m'a demandé de retourner tous les jours là-bas pendant 15 jours. Promets à ta mère, Bernadette. C'est mauvais pour ta santé, tout ça. C'est sûr, tu vas être malade. Très bien. Je te promets, maman, de ne jamais retourner à Massabielle. À moins que tu ne m'en donnes la permission. Et ça, je te le promets, je ne te la donnerai jamais. Je vais t'envoyer chez ta tante Bernard à Bartresse, où tu oublieras toutes ces sottises. Maintenant, rentrons. Et toi aussi. Merci de votre bonté, Madame Niccolo. Et merci aussi, monsieur. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, maman? Ces choses-là n'amènent rien de bon. Maman, aussi longtemps que je vivrai, jamais je ne reverrai quelque chose d'aussi beau que le visage de cette fille priant à Massabielle. On ne devrait pas toucher un être comme ça. Maman! Maman! Qu'est-ce qu'il y a? Bernadette pleure. Qu'est-ce qu'il y a, mon trésor? Viens avec maman, viens auprès du feu. Était tellement belle. Si tu savais, maman, comme elle est belle. Allons. À ton âge, on voit souvent des choses qui n'existent pas. Mais tout ça passe. Il faut chasser ça de ton esprit. Tu es une grande fille maintenant. Bientôt, tu seras une femme. Tu te marieras, puis tu auras des enfants. Comme je l'ai fait. La vie passe vite. Ma petite fille. Tu savais comme elle passe vite. Si elle reste ici, je crains pour sa santé. Elle ne parle à personne. Elle ne dort plus. Ce qu'elle mange ne suffirait pas à un oiseau. Bernard, ne pourrais-tu la prendre avec toi? Tu ne sais pas ce que c'est que de croiser dans la rue des gens qui te montrent du doigt en disant c'est le père de cette idiote. Après tout, je suis un homme respectable. Mais aussi le père de l'enfant.
Et toi, tu me sembles avoir oublié que tu es sa mère. Les deux seuls êtres au monde qui devraient la réconforter et la comprendre. Et vous voulez vous en débarrasser comme d'un sac de farine. Je ne pense seulement qu'à... Tu ne penses qu'à toi. Bernadette est loyale et honnête. Elle n'est pas assez finaude pour inventer une chose pareille. Elle la voit, cette dame. Les autres ne la voient pas. De quel droit dites-vous qu'elle a tort et que vous avez raison? Cette dame est peut-être une apparition céleste. Ah, les apparitions célestes ne se font pas dans un trou où on jette les ordures. Jésus est né dans une étable. C'est étrange ce que Bernadette raconte. Mais puisque cette dame lui a demandé d'aller à la grotte pendant 15 jours, elle doit le faire. Oh, je ne lui permettrai pas d'y retourner. Tu iras avec elle. Tu ne peux pas te cacher la tête sous l'aile et agir comme si ta fille avait fait quelques gamineries qui ne te concernent pas, non. C'est une chose sérieuse. Pensez à ce que ça représente pour Bernadette. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Rien. Si vous restez à ses côtés, toutes les femmes de la famille ont le devoir de la soutenir. J'irai. Et lorsque je serai près d'elle, que quelqu'un s'avise de rire. L'affaire a été exposée au conseil et approuvée. En conséquence, parfaitement convaincu que votre requête est justifiée, je fais parvenir votre projet, appuyé de ma recommandation... Monsieur le commissaire. À monsieur le ministre de l'Intérieur. Signé Oscar Massy, préfet. Donc, vous voyez, messieurs, les incessantes protestations de votre mère ont porté leurs fruits. Les plus hautes autorités ont l'intention de faire passer le chemin de fer à Lourdes. Splendide. Magnifique. Monsieur le commissaire. Qu'est-ce que vous voulez? Cette petite Subiru est encore allée à Massabielle. Qu'est-ce que je dois faire? Je croyais que sa mère la lui avait défendue. Et aujourd'hui, sa mère est allée avec elle. Quand on pense qu'une chose pareille peut encore se produire au milieu du 19e siècle. Mais cette fille est folle. Ou elle a des hallucinations. Monsieur le maire, puis-je vous suggérer d'agir sans délai? Mais monsieur, pour le maire, le fait même de reconnaître l'existence d'une telle situation ne servirait qu'à lui donner de l'importance. Une importance que les journaux s'empresseraient d'exploiter. Cette affaire est du ressort de monsieur le procureur impérial. Non, malheureusement, l'État n'a pas à intervenir. C'est l'affaire du commissaire de police. Mais personne n'a contrevenu à la loi. Ça regarde uniquement la gendarmerie. Massabielle est dans votre district, n'est-ce pas? Oui, monsieur le commissaire. Alors, occupez-vous-en. Je ne suis pas seule aujourd'hui. J'espère que ça ne vous fâche pas. Maman, tante Bernard et ma sœur sont avec moi. Et quelques personnes nous ont suivies. Je suis désolée, mais maman ne voulait pas me laisser venir seule. Je désire qu'ils viennent du monde ici. Où est-elle? Est-elle là? Oh oui, elle est là-bas dans la grotte. Elle vous dit bonjour. Vous voyez?
n'y a rien à faire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec des fous? C'est un scandale, une honte. Quand on pense que ces cracheurs d'encre ont l'audace d'imprégner de telles sornettes, nous serons la risée de toute la France. Et Lourdes qui devait avoir bientôt son chemin de fer. J'avais même déjà commencé à faire établir les plans de la gare. Croyez-vous qu'on va nous l'accorder? Jamais. Qui ferait passer le chemin de fer dans un patelin où les fantômes font leur apparition dans des grottes infectes? Ceci est un problème plus grave que le radotage d'une petite simulatrice ou d'une imbécile. C'est l'avenir tout entier de notre ville qui est en jeu. Faisons quelque chose pour arrêter ce scandale immédiatement. Comment? Comment? Bien, c'est votre affaire et celle du procureur. Quoique mon désir soit de mettre fin à cette stupidité, messieurs, je ne peux rien faire. Cette enfant va tranquillement dans les environs de la ville, elle s'agenouille, récite son chapelet et rentre chez elle. Alors dites-moi, y a-t-il quelque chose d'illégal là-dedans? Oui. Si on considère que c'est une insulte au sentiment religieux. Vraiment? Gars, vous ne pouvez pas dire que voir apparaître la Sainte Vierge dans un dépotoir soit particulièrement flatteur pour la Sainte Famille. Mais c'est que justement, elle ne dit pas qu'elle voit la Sainte Vierge, c'est la foule qui le dit. Elle dit qu'elle voit une dame, une très belle dame. Et voir une très belle dame, ça ne peut tout de même pas être considéré comme une infraction au code pénal. Heureusement que ça n'est pas une infraction, sinon toute la population masculine de France passerait son temps en prison. C'est vraiment pas le moment de plaisanter. Oui, oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, monsieur, mais le docteur Dezou désire vous voir. Dites au docteur d'attendre. Un petit instant. Le docteur Dezou peut nous être d'un très grand secours. Ne négligeons pas les possibilités que nous offre un diagnostic de déséquilibre mental. Oui. Priez le docteur d'entrer. Bien, monsieur. Voulez-vous entrer, docteur? Merci. Bonjour, docteur. Bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour, docteur. Je regrette de vous interrompre, messieurs, mais j'ai fait plusieurs visites à Massaviel à titre d'observateur. Aujourd'hui, j'ai examiné l'enfant. J'ai pensé, messieurs, que mon rapport pourrait vous intéresser. Oui, oui, bien sûr. Asseyez-vous, docteur. Excellent. Qu'avez-vous trouvé? Eh bien, je suis arrivé à la grotte en même temps que la foule. Immédiatement, la petite Soubirous s'est agenouillée devant une excavation du rocher et a fait aussitôt des gestes gracieux, déférents et très pieux. Vous avez vu quelque chose dans cette grotte? Non. Et quelqu'un d'autre a vu? Non. Mais la foule ne s'est pas moquée d'elle? Non. Il irradiait d'elle une chose qui empêchait de rire. Son exaltation était si réelle que l'observateur avait presque l'impression de voir ce que l'enfant voyait. Puis, comme nous continuions à la regarder, son visage est devenu pâle comme un marbre. Et la peau comme collée dessinait le squelette de sa tête particulièrement aux tempes. Envisageant la possibilité que ceci était dû à de l'anémie cérébrale, j'ai pris son pouls. Il était pour ainsi dire normal. Elle ne présentait aucun déséquilibre nerveux comme dans la catalepsie ou l'hystérie. Même ses yeux étaient parfaitement normaux. A-t-elle parlé à cette chose dans la grotte? Je me tenais tout près d'elle. J'ai entendu deux fois de suite un long, profond, oui, oui, venant du fond d'elle-même. On a dû lui demander de transmettre un message, car peu après, elle s'est retournée vers la foule et a dit « Priez pour les pécheurs ». Quand on parle à quelque chose qui n'existe pas, il faut être faible d'esprit. C'est une autre éventualité pathologique que j'ai prise en considération. Voulant éprouver son équilibre mental, je lui ai posé cette question. Savez-vous ce qu'est un pêcheur? Sans aucune hésitation, elle a répondu « Certainement, monsieur, un pêcheur est celui qui aime le mal. » C'est une très bonne réponse. Ce qui me plaît, c'est qu'elle a dit « aime » et non « fait ». Bien. Après ça, un diagnostic de déséquilibre mental était hors de question. Alors c'est une simulatrice? À mon avis, je ne vois rien qui justifie une telle assertion. Alors dois-je en conclure, cher docteur, que vous avez rejoint les rangs de ceux qui croient en cette vision?
Je suis un docteur. Je collabore à la revue médicale. Je suis membre de plusieurs sociétés scientifiques. J'estime que cela doit suffire. Si j'ai bien compris votre rapport, docteur, voici ce qu'il en résulte. La science écarte la fraude. Et elle écarte le déséquilibre mental et le miracle. Puis-je demander à la science, que reste-t-il? Oui, que reste-t-il? Si l'Église intervient, la foule ne nous blâmera pas. Précisément. Neutre, on peut sympathiser avec les deux parties. Très sage attitude pour n'importe quel gouvernement. Le doyen est-il là? Ah, bonjour, messieurs, bonjour. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, monsieur le curé. Retirez vos manteaux. Je suppose que c'est la petite Soubirou qui vous amène. Oui. Je tiens à ce que vous sachiez que l'Église n'attribue aucune signification religieuse aux soi-disant apparitions de Massabielle. Asseyez-vous. Très heureux de l'entendre, monsieur le curé. Alors vous parlerez à cette fille? Non. Vous? Non, cela ne me regarde pas. C'est l'affaire des autorités officielles. Nous espérions que vous nous accorderiez votre aide. C'est ce que je fais. Asseyez-vous. J'ai donné pour instruction à mes vicaires de ne pas mettre les pieds à la grotte et d'ignorer toute cette affaire. Mais vous avez une sérieuse influence sur tous les habitants. Ne serait-il pas indiqué que vous éleviez la voix? Je n'ai pas l'intention de donner davantage d'importance à cet incident. Alors vous forcez l'État à invoquer la loi qui interdit à l'Église de créer de nouveaux lieux du culte sans autorisation formelle du ministre des cultes. L'Église n'a point créé de nouveaux lieux du culte. L'Église n'a ni encouragé ni reconnu ces démonstrations hérétiques qui ont lieu chaque jour à Massabielle. Alors, comment pouvez-vous laisser vos paroissiens accomplir ces cérémonies païennes? On m'a dit qu'ils se servaient d'une table de cuisine comme autel. Et là, ils prient. Oui, dans un lieu encombré d'ordures, ils prient Dieu. Prier, messieurs, est toujours bon en n'importe quel endroit. Oui. Bien, nous en allons. Merci, monsieur le curé. Je vous en prie. Au plaisir de vous revoir. Au revoir, monsieur le curé. Au revoir. Ce vieux renard, en étant de notre avis, il nous remet toute l'affaire sur les épaules. Malheureusement, les partisans de cette fille sont tous citoyens de cette commune. Et l'idée de les contrarier n'est pas excessivement plaisante. Surtout avec les élections qui sont en jeu. Mais pourquoi les contrarier? Pourquoi ne pas s'en remettre à de plus hautes autorités? Excellente suggestion, monsieur. Je vais écrire au préfet immédiatement. Je considère que tout ceci est purement un problème local à résoudre par les autorités locales. Et je désire ne pas y être mêlé de quelque façon que ce soit. Arranger ça sans délai, j'en laisse l'exécution entièrement entre vos mains compétentes et entre celles de vos collègues. Signé Oscar Massy, préfet. Il est là, comme un général, en sécurité loin de la ligne de feu. Et il donne l'ordre à une poignée d'hommes complètement désarmés de prendre une inexpugnable forteresse. Nos mains compétentes, elles ne sont compétentes que quand il y a une sale affaire à régler. Pensez qu'une seule petite sotte peut causer tant d'ennuis. Et cela uniquement parce que des millions d'autres sont aussi stupides qu'elle. Que peut-on attendre de paysans bourrés de dogmes religieux et nourris de superstitions ridicules? Je crois fermement que cette fille et tout ce qu'elle représente est une menace pour la civilisation. Cette fille est dangereuse, je l'admets, cependant... C'est une fanatique de la religion. Et chaque fois que le fanatisme religieux fait un pas en avant, l'humanité fait un pas en arrière. Et c'est pourquoi je vais le combattre vigoureusement. Et j'emploierai n'importe quel moyen pour le vaincre. Je n'ai aucune expérience en politique. Mais je m'y connais en cambrioleurs et voleurs et racailles de toutes sortes. Je sais comment leur faire peur et les influencer. Je vous promets que si vous m'accordez 5 minutes avec cette fille, elle ne retournera plus jamais à la grotte. Eh bien, essayez alors. Faites n'importe quoi. Je pensais employer le même procédé, mais d'une façon moins brutale. Il y a quelque chose dans le titre de procureur impérial qui impressionne les gens.
Sans même avoir besoin d'élever la voix, je suis certain que... On ne dresse pas ces gens-là avec des gants de velours et de belles phrases. Nous verrons. Faites venir de vos agents. Elle seulement. Bernadette ! Reste ici, Marie, et attends que maman rentre. Ne l'inquiète pas, dis-lui que je suis partie à la mairie avec ces messieurs. Occupez-vous de vos affaires. Allez, débarrassez-moi le plancher ou je vous embarque tous. Savez-vous qui je suis? Oh oui, monsieur. Vous êtes le procureur impérial. Et ce titre signifie que j'ai été désigné par Sa Majesté l'Empereur. Il m'a conféré le pouvoir de punir quiconque contrevient aux lois en usage dans cette communauté. Maintenant, comprenez-vous ma situation? Oh oui. Vous êtes pareil à monsieur Jacomet? Infiniment plus. Je suis son supérieur hiérarchique. Il recherche les criminels et les escrocs, je les envoie en prison. Oh. Maintenant que vous comprenez mes fonctions et que vous connaissez l'étendue de mon autorité, je vous demande de ne plus jamais retourner à Massabielle. Oh, mais il le faut, monsieur. La dame me l'a demandé. Voilà que vous recommencez avec cette dame. Bernadette, vous admettez être ignorante, la plus mauvaise élève de l'école. C'est vrai, monsieur. J'avoue que je suis stupide. Alors, écoutez les gens intelligents qui vous affirment que cette dame est seulement issue d'une imagination enfantine, un rêve absurde. La première fois que j'ai vu la dame, j'ai cru aussi que c'était un rêve. Voilà, ça, ce n'est pas ça. Une fois, on peut prendre un rêve pour quelque chose de réel, mais pas six fois, monsieur. N'est-ce pas étrange que jusqu'à votre première visite à Massabielle, votre famille était indigente? Maintenant, votre mère est employée par une riche famille et votre père travaille régulièrement. Et vos partisans vous ont littéralement comblé de vêtements et de nourriture. Maintenant, si le tribunal décidait que votre dame représente une excellente affaire pour vous, il se montrerait très sévère. Je n'ai jamais rien accepté, monsieur. Parce que je savais que ça ne plairait pas à la dame. Écoutez, ma fille, j'essaie de vous aider. Il emploie la mauvaise méthode. Il n'arrivera à rien. Je ne vous demande pas de rétracter quoi que ce soit. Je veux simplement que vous me promettiez que vous suivrez mes conseils. Si je peux, monsieur, certainement. Bon. Alors, donnez-moi votre main et promettez-moi de ne plus jamais retourner à la grotte. Ça, je ne peux pas le promettre, monsieur. Laissez-moi vous rappeler que je suis le procureur impérial. Je le sais, monsieur. Vous me l'avez déjà dit. Maintenant, écoutez-moi bien, Bernadette. Dans la salle voisine se trouve Jacomet. Il est cruel et brutal. En plus de cela, il croit que chacun devrait être traité comme un criminel. Si vous ne m'écoutez pas, je vais être forcé de vous remettre entre ses mains. Je peux vous prédire que ce sera horrible. En un rien de temps, vous serez à sa merci, en larmes. Mais je peux vous épargner tout ça si vous voulez être raisonnable. Bien, quelle est votre réponse? Toujours la même, monsieur. Je dois tenir ma promesse à la dame. C'est très bien. J'en ai assez de vous. Puisque vous voulez à toute force votre propre perte. Allez. Oui, monsieur. Quel est ton nom? Mais vous savez mon nom, monsieur. Quel est ton nom? Soubirous. Bernadette. Avant d'aller plus loin, je veux que tu saches que je vais écrire tout ce que tu vas dire. Ce que tu vas faire s'appelle une déposition. Elle sera envoyée auprès de l'État. De plus, M. Estrade, ici présent, sera témoin. Alors fais attention à ce que tu dis. Voyons. Cette dame que tu prétends voir, sais-tu qui elle est? Non, monsieur, je ne sais pas. Comment est-elle habillée? D'un voile blanc, avec une ceinture bleue. Et elle a une rose sur chaque pied. Mmh.
Elle reste immobile, comme une statue à l'église? Oh non, elle est tout à fait naturelle. Elle fait des gestes et elle me parle. Elle accueille les gens et même elle rit. Mmh. Tes parents croient-ils l'histoire que tu racontes? Non, monsieur. Je ne le pense pas. Et tu veux que je te croie alors que tes parents ne te croient pas? Si ta dame était réelle, les autres gens ne la verraient pas aussi? Je ne sais pas pourquoi ils ne la voient pas. Elle est là. Maintenant, fais attention. Je vais te relire ce que tu as dit, afin que tu en confirmes l'exactitude. Bernadette Soubirous déclare que la dame porte un voile bleu et une ceinture blanche. Non, un voile blanc et une ceinture bleue. Mais tu te contredis, tu avais dit une ceinture blanche. Vous avez dû faire une erreur en écrivant, monsieur. Bernadette Soubirous déclare que la dame ressemble à la statue de la Sainte Vierge de l'église paroissiale. Ah non, ce n'est pas vrai. La dame ne ressemble pas du tout à la Sainte Vierge de l'église. Ça suffit. Il n'y a que des aveux complets qui puissent te sauver. Dis-moi le nom de toutes les personnes qui sont de mèche avec toi. Et n'essaie pas de mentir parce que je les connais tous. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, monsieur. Bien, je vais t'expliquer. Certaines personnes t'ont suggéré de faire circuler cette histoire ridicule. Ils t'ont dressé, malgré ta bêtise, à réciter comme un perroquet ce qu'ils t'ont appris. Maintenant, dis-moi, qui sont ces personnes? Mais vous disiez à l'instant, monsieur, que vous les connaissiez. La police est dehors, attendant que je donne l'ordre de te mettre en prison. Mais si tu promets devant ce témoin que tu ne remettras plus jamais les pieds à Massabielle... Non, non, il faut que je tienne ma promesse à la dame. Tu veux que j'appelle la police? Si la police me prend, je n'y peux rien. Et ce n'est pas tout. Je ferai mettre ton père et ta mère en prison aussi. Ta famille va mourir de faim. Entrez! Nom d'un chien, qu'est-ce que tu veux? Ma fille. C'est tout ce que je veux. Ma fille. Écoute, Soubirous. Il faut que cette histoire de grotte cesse immédiatement. Je ne le tolérerai pas plus longtemps. Devant Dieu, monsieur le commissaire, c'est ce que je veux aussi. La famille est sans dessus dessous. Cet enfant est mineur. Tu en es responsable. Défends-lui de sortir, sauf pour aller à l'école. Enferme-la s'il le faut. Parce que sans ça, je vais vous faire enfermer tous. Fichez-moi le camp. Priez Dieu de ne jamais revenir ici. Eh bien, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que vous avez eu beaucoup de chance que le père soit entré au bon moment. Le fait que les autorités l'aient empêché de retourner à Massabielle n'a servi qu'à lui donner plus d'importance aux yeux de ses camarades de classe. C'est évidemment dommage. Les enfants ne font que chuchoter à ce sujet. J'avais espéré, avec votre permission, monsieur le curé, leur exposer que... Non, l'évêque de Tarbes nous interdit de reconnaître même une telle situation. Et il a ses raisons. Souvenez-vous de cette fille à Avignon, Rose Tamisier. Elle prétendait avoir vu la Sainte Vierge, elle aussi. Le vicaire général de ce diocèse était patient et compréhensif. En conséquence, les gens ont pris son attitude pour une approbation. Puis plus tard, quand l'enfant fut convaincu de fraude, l'Église a été considérée comme complice. Immédiatement, l'athéisme a éclaté et l'anticléricalisme a triomphé. Cela ne se passera pas ici. Mon idée ne pouvait être guère considérée comme une approbation. J'avais projeté de montrer cet enfant en exemple à toute la classe. Le ridicule? Oui, monsieur le curé. Je vous donne la permission d'essayer. Au revoir, ma sœur. Au revoir, monsieur le curé. Ça ne peut pas durer comme ça. Nuit après nuit. Ma pauvre petite. Alors qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Réponds-moi. Si je ne peux plus aller voir la dame, papa, j'en mourrai.
la verras. Je me fiche de ce que dit la bonne sœur. Tu retourneras à Massabielle. Et personne ne t'en empêchera. Et s'ils veulent m'enfermer, eh bien qu'ils m'enferment. Mais tu la verras. J'espère que le baron Massy lit ce journal-là. Ça a un autre ton que le dernier éditorial, n'est-ce pas? Écoutez ça. Les autorités de Lourdes méritent les plus grands compliments pour avoir fait cesser cet affligeant spectacle. Mais j'ai le sentiment très net qu'ils recommenceront leur critique demain. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Parce que moi, je vois les choses plus clairement que vous, monsieur le maire. Hein? Particulièrement quand je suis assis sur cette chaise. Je leur ai dit que s'ils recommençaient, je ficherais toute la famille en prison. Prenez garde, commissaire. Si vous faites ça, je devrais les relâcher 10 minutes après. Et alors, de quoi aurons-nous l'air? On doit pouvoir invoquer une loi. Monsieur le commissaire. Je sais, ils vont à Massabielle. Vous n'avez pas besoin de me le dire, j'ai des yeux, je peux voir. Mais ils ne vont pas à Massabielle. Ah non? Ils y sont allés, ils y étaient à 5 heures ce matin. Maintenant, ils vont voir le doyen. Le doyen? Oui, la petite dit qu'elle a un message de la dame pour lui. Bien, on dirait que la Providence nous vient en aide. Les amis, peut-être que maintenant l'Église sera forcée de prendre position, qu'elle le veuille ou non. Pardon, monsieur le curé. Qu'est-ce que tu veux? Qui es-tu? Bernadette Soubirous. Ah. Alors c'est toi, la pauvre fille qui fait parler tous les idiots du pays. Tes courtisans et tes domestiques te suivent toujours? Si l'un de ces gens-là ose pénétrer dans mon jardin, je le fais arrêter. Eh bien, parle. Qu'est-ce que tu me veux? La dame m'a dit de... Quelle dame? La dame de Massabielle. Connais pas. C'est la belle dame qui vient toujours me voir à Massabielle. Est-elle de Lourdes? Non, monsieur le curé. Lui as-tu demandé son nom? Oui, mais elle a souri seulement. Peut-être que cette dame est sourde et muette. Oh non, elle m'a parlé. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? À l'instant, la dame a dit, allez voir les prêtres et dites-leur qu'une chapelle doit être bâtie ici. Les prêtres? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai l'impression que ta dame n'est qu'une hérétique. Même les cannibales ont les prêtres. Nous, catholiques, avons un titre qui nous est décerné par l'Église. Mais la dame a bien dit prêtre. Bien. Tu as frappé à la mauvaise porte. Est-ce que tu as de l'argent pour faire bâtir une chapelle? Oh non, je n'ai pas d'argent du tout. Alors retourne dire à ta dame que si elle veut faire bâtir une chapelle, il faut qu'elle fournisse l'argent. Oui, monsieur le curé. Et tu peux aussi lui dire que le doyen de Lourdes ne trouve pas que ce soit très bien pour une dame de grimper pieds nus sur les rochers et d'envoyer des simples d'esprit porter des messages. Et de plus, une fois pour toutes, il demande qu'elle le laisse en paix. Est-ce que tu comprends? Oui, monsieur le curé. Je vais lui dire tout ça. Est-ce que tu vois ce palais? Oui, monsieur le curé. Alors écoute-moi bien. Si tu oses me déranger encore une fois, je prends ce palais et je te le casse sur... Entrez. J'ai oublié quelque chose, monsieur le curé. La dame a dit aussi, je veux qu'on vienne en procession. En procession, hein? Et crois-tu que si on la faisait demain, ce serait assez tôt pour ta dame? Oh oui, je suis sûre qu'elle serait très contente. Maintenant que je vous ai donné les messages... Attends. Tu partiras quand je te le dirai. Ferme la porte.
Je voudrais que tu portes un message de ma part à la dame. Oui, monsieur le curé. Tu la trouves extraordinaire, n'est-ce pas? Oh oui, monsieur le curé. Bon. Nous allons savoir jusqu'à quel point elle l'est. J'ai entendu dire qu'un rosier sauvage poussait dans la grotte. C'est exact? Oh oui. Juste au pied du rocher où la dame se tient toujours. Parfait. Je veux que tu dises ceci à ta dame. Le doyen de Lourdes aimerait qu'elle accomplisse un petit miracle. Il voudrait qu'elle fasse fleurir ce rosier sauvage maintenant, ces derniers jours de février. Tu as compris? Oui, monsieur le curé. Alors répète ce que j'ai dit. Le doyen de Lourdes aimerait que la dame accomplisse un petit miracle. Qu'elle fasse fleurir le rosier sauvage maintenant, ces derniers jours de février. Est-ce bien exact? Oui. Je vais le dire à la dame. Au revoir, monsieur le curé. Gentlemen. Je m'en vais voir le miracle. Apportez-moi donc une douzaine d'euros, je vous prie. Je crois plutôt que je vous rapporterai une centaine de douzaines de gens désillusionnés. Le doyen n'a pas précisé le jour. Pourquoi présumer que c'est pour aujourd'hui? Ce n'est pas nous. Ce sont ses fidèles qui le disent. Ça sera pour jeudi, ont-ils dit. Pourquoi jeudi? Parce que quelqu'un qui n'avait rien d'autre de mieux à faire calcule qu'elle a vu la dame pour la première fois un jeudi. Qu'elle lui est apparue de nouveau un jeudi? Alors, naturellement, les bourgeons, c'est pour jeudi. Bourgeon ou pas bourgeon, vous ne détruirez jamais sa foi. Peut-on en dire autant de la foule? Quelle surprise pour nous si le rosier fleurissait aujourd'hui. Ne sous-estimez pas le doyen de Lourdes. Qui s'y connaît le mieux en rosier dans toute la contrée? Père Amal, sur le temps aussi, à propos. Vous voulez dire que le doyen est... Je pense tout bonnement qu'il est singulièrement étrange que Père Amal, justement, prenne entre tous un rosier pour faire accomplir un miracle. Pourquoi n'a-t-il pas demandé à la dame de transformer le rocher en cheval ou de changer l'eau de la rivière en vin? Y a encore rien? Non. Il se passera rien non plus. Chut, silence, tais-toi. Et pas la peine, je te dis. Il ne fleurira pas. Chut, veux-tu te taire? Très bien. Mais tu verras, la vie n'est pas comme ça. See something, do you?
Allez boire à la fontaine et vous y lavez. Non, pas à la rivière. Pas à la rivière ? À la fontaine, là. Mangez l'herbe que vous trouverez. Et mangez l'herbe ? Qu'est-ce qu'elle fait maintenant ? Chut ! Buvez à la fontaine et lavez-vous. La fontaine ? Boire à la fontaine et me laver ? Qu'est-ce qu'elle cherche à présent ? Elle se tient de son droit comme un porc. Oui. Elle goûte l'herbe aussi. Viens, mon petit. Non, il faut que je me lave à la fontaine. Il n'y a la pas dame de me l'a demandé. Bernadette. Mais si, la dame me l'a dit. Allons, viens. Regardez-moi cette figure, c'est de la boue. Citoyens, enfin, vous avez vu de vos propres yeux ce que nous autres, nous savions depuis longtemps. Cette histoire de la Sainte Vierge est née dans un cerveau malade et torturé. Vous étiez dupes d'une faible d'esprit. Je vous en prie, retournez tous chez vous et ne revenez jamais ici. Oui, la réponse. C'est bon, il y aura un qui nous en Ne sois pas triste, Antoine. Je t'avais dit de ne pas trop te leurrer. Je savais que ça ne le ferait pas. Tu dois apprendre à ne rien attendre de Dieu. Et comme ça, en n'ayant rien, tu n'es pas déçu. Oh, tais-toi. Allez, va-t'en, laisse-moi tranquille. Crois-moi, tu verras. Nous sommes tout petits, on nous apprend déjà que la Sainte Vierge est bonne et charitable. A-t-elle été bonne pour cet enfant ? L'a-t-elle été pour moi ? Moi, Bourguette, le meilleur tailleur de pierre de Lourdes. Regarde ce qui m'est arrivé. Je taillais un socle pour une statue de l'église. Mon ciseau a fait sauter un éclat de marbre qui m'est rentré dans l'œil. Et en un rien de temps, je n'étais plus tailleur de pierre. Voilà comment la Sainte Vierge m'a récompensé, en me lançant une pierre dans l'œil. Depuis, c'est comme si j'avais un nuage devant les yeux.
Henriette! Qu'est-ce qu'il y a en toi? Viens voir! Hein? Regarde! Bernadette disait qu'il y avait une fontaine et on l'a traitée de folle. Regarde, Bourriette, regarde donc! Va le dire aux autres! Va vite! Allez! Dépêche-toi! La grange! N'allez pas tout de suite crier comme ça. Au miracle, Bourriette. Demain à 2 heures, Madame Blanc. Venez ici. Oui. Asseyez-vous. Oui, monsieur. Fixez votre regard au plafond et ne bougez pas. Oui. Oui. Tout ce que j'ai fait, c'est de mettre dessus de l'eau de la grotte. Taisez-vous. Et puis j'ai prié et maintenant je peux y voir. Taisez-vous. C'est un miracle, docteur. C'est un miracle. Doucement. Il n'y a aucun changement dans cet œil, Bourriette. 4 cicatrices sur la cornée, c'est la même chose qu'il y a 6 mois. Mais je peux voir. C'est comme un éclair. Pardon. C'est un miracle. Docteur, tout est lumineux. Vous avez appuyé sur votre œil avec tellement de force que vous avez irrité le nerf optique. Cette sensation de clarté ne durera pas longtemps. Regardez ce tableau. Oui, monsieur. Est-ce que vous pouvez lire de l'œil gauche? Non, docteur, je ne peux pas. Et avec l'œil droit? Non, non, je ne peux pas. Et avec les deux? Non plus, docteur. Eh bien, voilà. Mais docteur, je n'ai jamais appris à lire, mais je peux voir. Je peux vous voir, docteur. Je peux voir n'importe quoi. C'est un miracle. Revenez demain quand vous serez calmé, Bourriette. Oui, très bien, mais c'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Je comprends tout maintenant. Depuis que cet éclat de marbre m'est entré dans l'œil, elle a cherché le moyen de me dédommager. Et enfin, ça y est. Le mortier. Tu vois mieux maintenant, hein, Bourriette? Maintenant, je vois tout. Aucun espoir. Non, non. Charles, va chercher Louise Soubiron, elle l'a sauvée jusqu'à maintenant. Elle n'est pas chez elle, je ne la trouve pas. Trop tard. C'est mieux ainsi. Tu ne veux pas que l'enfant aille en se traînant dans la vie, estropié à jamais, n'est-ce pas? Je veux que mon enfant vive. Qui vient? Voisine! Qui est-ce? Où? Je ne vois personne. Voisine! 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 Je t'en prie, qu'est-ce que tu fais? Voisine, sois raisonnable. Sois tranquille. Es-tu folle? Prenez-le, Seigneur, ou rendez-le moi.
Eh bien, docteur. Eh bien, il ne peut être question de lésion d'encéphale. Il n'y a aucune raison d'avoir des doutes sur la substance musculaire. Qu'est-ce que ça veut dire, docteur? Ça veut dire qu'hier, les jambes du petit étaient complètement paralysées. Et qu'aujourd'hui, elles valent les vôtres. Je suis sûr que vous comprenez maintenant pourquoi je tenais tant à avoir une confirmation. Vous êtes certain que vous n'avez fait aucune erreur dans votre précédent diagnostic? Le 25 août. Forte température, violente convulsion, complète paralysie des deux jambes. N'admettriez-vous pas une atrophie due au rachitisme? Impossible. Alors, l'eau de Massabielle doit contenir une substance thérapeutique inconnue et très puissante. De toute façon, je dois signaler le cas aux journaux médicaux. Moi, j'hésiterais à faire ça. Ça risquerait de vous rendre ridicule. Ça ne sera pas une chose facile à écrire. Je n'ai pas l'habitude de croire aux choses que je ne vois pas. Qu'en dites-vous, monsieur l'abbé? Vous êtes très silencieux. Que dites-vous de tout ça? Au contraire d'un docteur, un ecclésiastique est appelé à croire beaucoup de choses qu'il ne voit pas. Parfois, j'avoue que c'est extrêmement difficile. Hier soir, quand je suis venu, il faisait très noir. Il fait plus clair maintenant. Au revoir, monsieur. Je ne comprends pas. Ces jambes étaient comme mortes. Et maintenant, elles sont solides. Et c'est grâce à Bernadette. C'est elle qui l'a sauvée. Laisse-moi aller prier à côté de son lit. Oh, au nom du ciel, non! Garde tes prières pour la messe. Maintenant, rentre chez toi, Charles. Ce soir, vous viendrez tous dîner chez nous. Venez, je vous en prie. Venez tous! Bonjour, maman. Bonjour, papa. Bonjour, Bernadette. Bonjour, Bernadette. Dans cette eau glacée. Et tout à coup, l'enfant a commencé à crier. Pas les cris d'un enfant malade, mais ceux d'un enfant sain. Les deux docteurs conviennent qu'il y a un grand changement. Ils avouent qu'ils n'y comprennent plus rien. Ils se demandent ce qui s'est passé. Qu'en pensez-vous, monsieur le curé? Moi aussi, je me le demande. Et vous savez que l'enfant n'a jamais eu la force de crier avant? Et puis, en rentrant, l'enfant s'est endormi dans les bras de sa mère. Aussitôt qu'il s'est réveillé, il a tout de suite fait un beau sourire à sa maman. Depuis sa naissance, ses jambes avaient l'air de ne pas avoir de muscles. Même les docteurs ne comprennent pas. This is awful. Yes, Commissioner. Sunrise, that whole hillside will look like a sugar loaf crawling with ants. Oh, it won't be so bad after tomorrow. Why? Well, she said the lady only asked her to come for 15 times. Tomorrow makes 50. But this is no longer a curiosity, it's a disease. This card will come whether she's here or not. Where do you think you're going? No place, Monsieur. What have you got in that basket?
Commissioner, my wife is very sick. Have you got your wife in the basket? No, monsieur. Let's see. Oh, monsieur, I thought maybe I could sell some hot chestnuts and some wine. There we are. Now it's the habit. Pretty soon they'll be selling sausages. You want sausage? I've got sausage, too. Go. Move. Cette dame, elle doit avoir un nom. Tu ne lui as pas demandé son nom? Ça fait 10 fois que je t'ai dit de le faire. Maintenant, c'est trop tard. Mais je l'ai fait tout à l'heure. Alors? Ce qu'elle a dit, je ne l'ai pas compris. Eh bien, parle, qu'a-t-elle dit? Tu ne l'as pas oublié? Non, je l'ai répété plusieurs fois pour ne pas l'oublier. Elle a dit, je suis l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception. Sais-tu ce que ça veut dire? Je suis l'Immaculée Conception. N'aie pas peur, ma petite. Je te demande ça pour t'aider, pas pour te gronder. Eh bien. Non, monsieur le curé. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Sais-tu ce que signifie le mot immaculée? Oui, ça je le sais. Une chose immaculée et sans tache. Bon. Et conception? Viens, nous laisserons ça pour le moment. Sais-tu ce qu'on veut dire quand on parle du péché originel? Oui. Le péché originel a été commis par Adam et Ève quand ils ont désobéi à Dieu et ont enfreint ses commandements. L'abbé Poignant a appris ça, n'est-ce pas? Réfléchis bien. N'a-t-il pas aussi parlé de l'Immaculée Conception? Non, monsieur le curé, je n'en ai jamais parlé. Cela est trop avancé. Ça ne fait pas partie du programme de la classe élémentaire. Sœur Marie-Thérèse en a peut-être parlé. Je suis certain que non. Voyons, tu as bien dû en entendre parler. Essaie de te souvenir. J'en ai peut-être entendu parler. Mais je ne m'en souviens pas. C'est très bien. Je vais te l'expliquer. La bienheureuse Vierge Marie a été préservée du péché originel, préservée de toute tâche dès le premier instant de son existence. Dieu l'avait prédestinée à être la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle a reçu la plénitude de la grâce. Peux-tu comprendre ça, Bernadette? Non, monsieur le curé. Comment le pourrais-tu? Des érudits se torturent l'esprit là-dessus depuis des siècles. Mais peut-être comprendras-tu mieux cette chose. Si la très sainte Vierge parlait, elle ne pourrait pas dire d'elle-même « Je suis l'Immaculée Conception ». Elle ne pourrait que dire « Je suis le fruit de l'Immaculée Conception ». Naissance et conception sont des faits. Mais une personne n'est pas un fait. On ne peut pas dire « je suis la conception, je suis la naissance ». Par conséquent, Adam a commis une inexcusable bévue. Tu dois admettre cela. Quand je la reverrai,
Je le lui dirai, monsieur le curé. Excusez-moi, monsieur le curé, j'ai promis d'aller voir madame Sénat. Certainement. Au revoir, Bernadette. Au revoir, monsieur l'abbé. Qu'est-ce que je vais faire de toi, Bernadette? Tes yeux semblent honnêtes, tes paroles sincères. Et pourtant, je ne peux pas te croire. Aujourd'hui, moins que jamais, en tant que confesseur, je t'en supplie, renonce à cette comédie. Avoue que ta mère, ou ton père, ou ta tante, que quelqu'un t'a suggéré cette phrase pour que tu te rendes plus intéressante. Mais je ne peux pas avouer ça. Ce n'est pas vrai. On ne m'a absolument rien suggéré. As-tu parfois pensé à ta vie? As-tu pensé à ton avenir? Il sera comme l'avenir de toutes les jeunes filles d'ici. Après leur communion, les jeunes filles peuvent se distraire convenablement. Au fait, elles vont au bal et y rencontrent des jeunes hommes. Et puis elles se marient, et si Dieu le veut, elles ont des enfants. N'aimerais-tu pas en faire autant? Oh si, j'aimerais bien aller au bal et me marier un jour. Alors réveille-toi! Maintenant! Sans quoi il n'y aura pas de vie pour toi. Tu joues avec le feu, Bernadette. Commissaire. Ouais? Cette source à la grotte, les gens qui y viennent boivent beaucoup de cette eau, n'est-ce pas? Ils en boivent des seaux. Ce qu'ils ne peuvent pas boire, ils l'emportent dans des pots, des bidons, des bouteilles. À merveille. Eh bien, ça continue. Vous pensiez que ça allait mal, vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil maintenant. Des malades, des infirmes, des cannes, des béquilles, certains ont même l'air de l'épreuve. Écoutez ça, commissaire. 22 décembre 1789, les eaux de source, les eaux de puits, les eaux de rivière, ou de n'importe quelle autre origine, ne doivent pas être consommées par qui que ce soit avant que les eaux susmentionnées aient été analysées par un chimiste diplômé. C'est parfait. Vous savez, j'avais l'impression que quelque part dans ces bouquins, je trouverais une ancienne loi qui nous tirerait d'affaire. Alors, est-ce que j'envoie mes hommes pour fermer la grotte? Pas si vite, commissaire. D'abord, nous allons voir le maire. Et il fera placarder un avis de ban. Entrez, messieurs. Merci. J'ai une bonne nouvelle, monsieur le maire. L'épidémie va s'arrêter. J'ai trouvé le moyen de l'éteindre. Nos ennuis sont finis. Et ironie du sort, ce sont les eaux de Massabielle qui vont éteindre le feu. C'est une ancienne loi. 1789. Regardez, lisez. Dans l'intérêt de la santé publique... Bien sûr, pour une analyse d'une telle importance, il faudra que nous prenions l'avis de plusieurs chimistes. Et ça prendra des mois et des mois et des mois. Je me demande si nous n'agissons pas un peu trop à la hâte. Peut-être manquons-nous de jugement en contestant la possibilité d'une intervention divine à Massabielle. Car après tout, je suis sûr que vous ne voudriez pas, tout comme moi, vous opposer à la volonté de Dieu. Votre soudaine ferveur religieuse est très touchante, monsieur le maire. Serait-elle provoquée par le fait que la foule des fidèles amène avec elle une vague de prospérité à Lourdes? Monsieur, mais puisque vous en parlez, ce n'est pas une chose à négliger. Nos hôtels seront pleins, nos cafés sont prospères et nos commerçants n'ont jamais tant fait d'affaires. Et le chemin de fer va certainement profiter de cet afflux de visiteurs à Lourdes pour étendre sa ligne jusqu'ici. Oui, et il nous faudra davantage d'hôtels. Mais à côté de ça, je pense par-dessus tout à ces milliers de pèlerins qui viennent journellement le cœur plein d'espoir. S'ils trouvent que l'eau de la source de Massabielle leur est salutaire, de quel droit les en priverions-nous ?
Et pensez aussi au grand nombre de ceux qui ne peuvent pas venir à Lourdes. On pourrait mettre en bouteille l'eau de cette source miraculeuse. Et elle pourrait être vendue à un prix honnête dans le monde entier. Monsieur le maire, voulez-vous dicter l'arrêté ordonnant de fermer la grotte ou préférez-vous que j'aille demander au baron Massy l'autorisation de le faire moi-même? Bon, je vais faire le nécessaire. Mais je crois que vous allez commettre une grosse erreur, messieurs. Pourquoi ne pas laisser les choses telles qu'elles sont? Lourette, voulez-vous écrire? Ah, entrez, commissaire. Des ennuis? Oh non, nous avons enrayé cette épidémie. Non, commissaire, pour enrayer une épidémie, il faut en éliminer la cause. Je vais faire garder la grotte nuit et jour. Rien ne peut plus s'y passer maintenant. Peut-être ne se passera-t-il rien à la grotte, non. Cependant, étant donné que la dame est le produit de l'imagination de Bernadette, elle peut la voir n'importe où, au bord de la rivière, dans le taudis où elle habite, ou si elle le désire, sur les marches même du perron de la mairie. Hein? C'est autour de son imagination qu'il faut mettre une barrière. Est-ce que vous connaissez le docteur Dubois? Oui. Je viens de lui écrire pour lui demander de venir à Lourdes pour quelques jours. Un petit instant. Venez avec moi. Le procureur impérial désire vous voir. Laissez-la, elle n'a rien fait. Allons. J'y vais, maman. Ne t'inquiète pas, ça ne sera pas long. Oh, mais pourquoi la persécutez-vous? Elle est fatiguée et malade. Laissez-la donc. Ça suffit. J'ai toujours pensé que l'examen de la petite par le docteur Dozou n'était pas assez complet. Ben, après tout, le docteur Dozou ne pratique que la médecine générale. Les progrès de la psychiatrie ont été si rapides que seul un spécialiste peut se tenir au courant. Croyez-vous que la petite soit folle, monsieur? Mon cher docteur, je suis on ne peut plus respectueux de l'art médical. Aussi, j'estime qu'en tant que profane, je ne suis pas fondé à émettre une opinion. Cependant, je crois que les faits sont suffisamment nets et précis et qu'ils parlent d'eux-mêmes. Pendant des jours et des jours, elle s'est tenue devant un rocher et elle a parlé à la Sainte Vierge. De telles pratiques sont le symptôme habituel des paranoïaques. J'ai de nombreux paranoïaques dans ma clinique qui ont des visions. Des visions qui sont pour la plupart suivies de crises de violence. Cette jeune fille est autorisée à circuler en liberté? Bien, j'avais projeté de la faire surveiller, mais naturellement, le diagnostic favorable du docteur Dozou m'en a empêché. Ah. Puis j'espérais que votre examen, docteur, ne sera pas superficiel. Je peux vous promettre qu'il sera des plus approfondis. Il se pourrait même qu'il soit nécessaire de placer l'enfant dans un asile, en observation. Et malheureusement, avec les paranoïaques, l'observation peut parfois être longue. Après tout, un psychiatre n'a rien de commun avec un chirurgien qui peut remettre un bras cassé sur le champ. Oui, je comprends. Entrez! Fermez les yeux. Maintenant, l'autre pied. Pourquoi titubez-vous? Parce que je suis fatiguée, monsieur. Très bien. Vous pouvez vous asseoir. Combien d'heures dans une journée? 24. Combien de jours dans la semaine? 7 jours. 9 fois 5, ça fait combien? 45. 10 fois 18, ça fait combien? Je n'en sais rien, monsieur. Est-ce que vous le sauriez, vous, monsieur, si vous ne l'aviez pas calculé d'avance?
Pas si vite, mademoiselle. Oh, laissez-la, elle retourne directement chez elle. Nous la retrouverons. Et voilà, docteur. Monsieur le curé, ai-je l'honneur de m'adresser au doyen de Lourdes ? Vous avez cet honneur. Que puis-je faire pour vous ? Ne vaudrait-il pas mieux aller ailleurs pour discuter ? C'est vous-même, messieurs, qui avez choisi cet endroit. Ce n'est pas moi. Que désirez-vous ? Je suis ici en tant que délégué départemental de l'administration de l'assistance publique. Nous avons des raisons de croire qu'il y a certaines anomalies dans le cas de Bernadette et je désire la placer en observation. Je dirige le service de psychiatrie et de neurologie à la clinique de Tarbes. Si elle ne se soumet pas de son plein gré à cet examen, nous nous trouvons dans la pénible obligation d'invoquer et de faire appliquer la loi de 1828. C'est l'acte d'hypocrisie le plus effarant que j'ai jamais rencontré. Je vous préviens que je dévoilerai cette hypocrisie. Et j'élèverai tellement la voix dans toute la France que sa répercussion sur les petits politiciens pourra leur coûter cher. Viens ici, Bernadette. Je connais cet enfant. Le procureur impérial la connaît aussi. Ce n'est ni une démente ni un danger pour ses concitoyens. Si vous persistez dans votre intention, messieurs, très bien. Mais soyez sûrs que je n'abandonnerai pas cette petite. Maintenant, appelez la police. Et quand la police sera là, alors, monsieur le curé ? Quand elle sera là, je lui dirai, chargez vos fusils, car vous me passerez plutôt sur le corps. Alors, je suis bien embarré. La mère supérieure m'a prié de veiller sur vous. Je regrette de vous causer cet ennui. Je suis heureuse d'avoir l'occasion de vous parler avant de quitter Lourdes. Vous partez ? Demain. Je suis rappelée par la maison mère de notre ordre à Nevers. Le doyen de Lourdes est allé parler à l'évêque de Tarbes en votre faveur. Je voudrais que vous sachiez que quoique vous simagrez et réussi à tromper beaucoup de monde, il reste cependant une personne qui ne vous croit pas. Cette personne-là, c'est moi. Je ne vous ai jamais demandé de me croire, ma sœur. Si cela veut être une de vos réponses désarmantes qui sont censées réduire les gens au silence, ne vous mettez pas en frais pour moi. Rendez grâce au ciel, Bernadette, de ne pas vivre au Moyen-Âge. Les créatures qui se vantaient d'avoir des visions et de faire jaillir des sources miraculeuses étaient brûlées vives. J'ai prié pour vous des nuits, et je continuerai pour essayer de sauver votre pauvre âme du terrible danger auquel vous l'exposez. Et maintenant, bonne nuit, Bernadette. Bonne nuit, ma sœur. Cependant, par-dessus tout, je viens au nom de la justice. Les autorités ont projeté, comploté la perte de cette fille. L'Église n'a pas l'habitude d'entrer en conflit avec les autorités. Et particulièrement dans le cas de Bernadette Soubirous. Notre politique est de rester à l'écart et nous la suivrons strictement. À mon avis, maintenant, il est nécessaire de changer notre politique. Cet avis n'est pas partagé par un grand nombre d'ecclésiastiques, au moins aussi dignes de foi. Je comprends très bien. Je comprends aussi que personne, sauf moi, n'a parlé à cet enfant. Je commence à me demander si ce n'est pas vraiment une inspirée et si elle n'a pas reçu le don de faire des miracles. Je vous en prie, mon cher doyen. Seule une commission d'enquête a le pouvoir de décider si un phénomène est un vrai miracle ou une mystification. C'est vrai. C'est tout ce que je demande, qu'une commission épiscopale soit désignée pour faire une enquête. Deux ou trois guérisons douteuses ne sont pas un motif suffisant pour une enquête. Une seule guérison douteuse a suffi pour que des multitudes fassent des centaines de kilomètres.
Très bien. Je vais convoquer la commission. Merci. À condition que certains obstacles puissent être surmontés. Vous comprenez, j'en suis sûr, toute la portée de ceci. La commission n'a le droit de choisir qu'entre trois décisions. Primo, vous êtes une simulatrice, petite Soubirous. Donc, votre place est dans une prison, dans une maison de correction. Secondo, vous êtes une pauvre démente, petite Soubirous, et votre place est dans un asile. Tertio, vous êtes privilégiée entre tous les mortels, petite Soubirous. Quand croyez-vous que la commission commencera ses travaux? Les savants, les chimistes, les géologues n'auront pas la possibilité de poursuivre leurs recherches tant que la grotte sera fermée. Une lettre de vous les obligera à l'ouvrir. Non. L'empereur doit donner l'ordre d'ouvrir à nouveau la grotte. Puis la commission se réunira. Tel est l'ordre des choses. Quand préviendrez-vous l'empereur? Jamais. Il n'est pas dans mes intentions de lui en parler. Il ne saura même pas que j'ai eu l'idée de convoquer la commission. Mon attitude vous surprend, n'est-ce pas? Franchement, oui. Je donne à votre dame une chance de se manifester. Si elle est vraiment la Sainte Vierge, alors rien ne lui est impossible et elle saura avoir raison de l'empereur. Cependant, si elle n'en a pas raison, c'est de l'imposture. La grotte restera fermée à jamais. Et elle et toute idée d'enquête et de commission se dissoudront dans le néant. Je me demande qui en fin de compte gagnera. L'empereur ou la dame? Que personne ne bouge! Vous êtes tous arrêtés! Descendez, je vais les surveiller. Oh mon Dieu, ils nous arrêtent! Non, ah, j'ai profession. Jacques Gazas, 40 ans, charpentier. Les charges? À voler de l'eau à Massamiel. Un franc plus ses frais. Mais je n'ai pas d'argent, monsieur. Deux jours de prison, alors. Emmenez-le. Alors, suivant. La femme brûla. La femme brûla. Non. Ah, j'ai profession. Brûla. Léontine, 34 ans, gouvernante. Monsieur Jacomet. Brûla. Madame, êtes-vous par hasard une parente de l'amiral Brua? Oui, c'est mon mari. Ah, je me présente, Victor Dutour, procureur impérial. Enchanté. Voulez-vous passer dans mon bureau? Je vous en prie. J'ai été arrêtée et traînée dans les rues comme les autres. Je ne désire pas un traitement spécial maintenant que je suis ici. Madame, c'est plutôt délicat. Vous appartenez à une grande famille. Quand des dames de votre situation exhibent devant les foules leur profond mépris des lois en les enfreignant, que doivent faire alors les pauvres fonctionnaires? Les punir de la même façon que les autres. Entendu, madame. Je suis forcé de vous condamner à une amende d'un franc plus ses frais. C'est parfait, monsieur. Et voici 100 francs de plus pour ceux qui ont commis le même crime et qui sont sans argent. Maintenant, je vous prie, puis-je avoir ma bouteille? La bouteille est confisquée. Mais je ne crois pas que ça en restera là, monsieur. Car je l'ai rempli selon le désir d'un très haut personnage. Puis-je demander qui est ce personnage, madame? Sa Majesté l'impératrice Eugénie. J'ai le grand honneur d'être la gouvernante de son Altesse le Prince impérial. Prenez-la, madame. Je commence à voir que c'est de la folie de vouloir être seule à faire son devoir dans un monde insensé. Mes hommages, madame. Allons, 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 laissez passer là. Sa température est normale maintenant. Oh Dieu, merci. J'avais raison, cette eau est miraculeuse. Oui, j'en suis certaine, madame. Oui, mon chéri, vous serez bientôt guéri. Mon chéri, mon chéri. Louis. Notre fils va mieux. Les eaux de Lourdes l'ont guéri. Disons plutôt, sire, que les eaux n'ont pas fait de mal au prince. Il n'avait qu'un léger rhume. Comment pouvez-vous dire ça? Son front était brûlant de fièvre. Jamais plus de 38, voyons. C'était la diphtérie ou la scarlatine, je le sais, je le sens. Je vous en prie, ne vous énervez pas. Venez vous asseoir. Louis a eu de nombreuses petites crises comme celle-ci. Il s'est toujours remis. Je vous dis, Louis, que ce sont les eaux qui l'ont sauvé.
C'est une remarque extrêmement légère, cher ami. Et vous êtes très injuste envers notre ami le docteur. Vous êtes un athée, Louis. Ce serait la pire bêtise pour un souverain. Alors vous êtes pire qu'un athée. Vous n'avez pas l'humilité de remercier Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée. Par ordre de Sa Majesté l'Empereur, les arrêtés du 10 mai doivent être considérés comme nuls et non avenus. À partir de ce jour, la grotte restera ouverte. Signé, Louis Napoléon. Je dois dire, mon cher doyen, que votre dame n'est pas longue à relever un défi. Oui, la dame a eu sa revanche. J'ai été transféré à Alais. Peut-être devrais-je dire exilé à Alais. Oui, je m'attendais à une chose comme ça. Moi aussi, j'ai reçu une lettre ce matin. Oui. Dans quel trou vous envoie-t-on ? Pour moi, la dame a voulu une plus douce revanche. Je dois rester ici, pour l'instant, du moins. Et je dois assister au triomphe de ce que j'ai combattu. J'ai encore attrapé la grippe. Évidemment, la dame a l'intention de me laisser telle qu'elle m'a trouvé. Du vin chaud, Durand. Oui, monsieur. Et puis, j'ai couru de l'autre côté et j'ai mangé les plantes comme la dame m'avait demandé de le faire. Je ne puis comprendre que la dame vous ait demandé une chose aussi répugnante. Ça ne correspond pas à la description que vous en donnez quand elle vous demande d'agir comme un animal. Agit-on comme un animal quand on mange de la salade ? Continuez. Puis j'ai cherché la fontaine. Comme je ne la voyais pas, je pensais que la dame voulait dire qu'elle était sous la terre. Alors j'ai commencé à creuser avec mes doigts. Considérée miraculeuse, une guérison doit être aussi rapide qu'un éclair. Elle doit se produire instantanément. Il faut des preuves plus absolues. Oui, j'ai cherché la fontaine. Comme je ne la voyais pas, je pensais que la dame voulait dire qu'elle était sous la terre. Alors j'ai commencé à creuser avec mes doigts. Oui, j'ai cherché la fontaine. Comme je ne la voyais pas, je pensais que la dame voulait dire qu'elle était sous la terre. Alors j'ai commencé à creuser avec mes doigts. Il y a toujours une possibilité de mystification. Il faut des preuves plus absolues. Les témoignages sont insuffisants. Bernadette. Je m'excuse d'être en retard, monsieur le curé, mais mon frère est rentré avec le nez gelé. Viens, je vais frotter avec de la neige. Mars est très froid cette année, n'est-ce pas? Assieds-toi, Bernadette. Merci, monsieur le curé. Je regrette de n'avoir pu assister au mariage de ta sœur jeudi. L'abbé Ponillon m'a dit que c'était très bien. Oh oui, il y avait des gâteaux. Sur l'œil, il y avait des dessins. C'était vraiment gentil. Maintenant, j'imagine qu'elle va sans doute quitter sa place chez madame Millet. Oui, ils vont travailler dans une ferme. Mais madame Millet va me prendre comme domestique. C'est ce qu'on vient de me dire. Et c'est pour ça que je voulais te voir. Oh, ça n'est pas dur. Et la paye est bonne. Vous savez, c'est étrange, monsieur le curé. La dame m'a dit une fois que je ne serais pas heureuse en ce monde. Mais je le suis, plus que je ne l'ai jamais été. J'ai trouvé du travail. Et monsieur Antoine est un jeune homme charmant. Bernadette, as-tu une idée de ce que fait la commission d'enquête de l'évêque ?
Oui. Ces messieurs ont examiné et interrogé tous ceux qui ont été guéris. C'est vrai. Et en ce qui te concerne, ne crois-tu pas que ton cas soit une partie de leur tâche aussi? J'ai répondu à toutes leurs questions. J'espère qu'ils ne m'en poseront pas d'autres. La commission est en train d'écrire en ce moment un rapport très important sur toi. Ils admettent la possibilité que tu aies été désigné par le Tout-Puissant et que c'est ta main seule qui a fait jaillir la source aux guérisons miraculeuses. Ne comprends-tu pas ce que ça signifie? Non. Ça signifie que les plus grands et les plus sages hommes de l'Église te surveilleront pendant des années. Et peut-être que longtemps après que les autres seront morts et qu'on n'y pensera plus, tu seras... Mais c'est effroyable. Je ne veux pas. Ce n'est pas possible. Ah oui, c'est très grave. Non, non, non. Dis-moi, les sœurs de l'hospice et de l'école ne sont-elles pas gentilles et bonnes? Oh, si. Si, c'est vrai, elles sont très douces. Peux-tu imaginer que tu seras une des leurs un jour? Mon Dieu, non, c'est bien trop pour moi. Je veux simplement devenir la domestique de Madame Millet. C'est tout. Ma chère petite, c'est toi que la très sainte Vierge a désigné. Cela crée pour toi une grande responsabilité. Tu ne peux pas soudain refuser ni échapper à ta destinée, comme on fuit l'école, pour devenir la domestique d'une veuve. Un jour, je t'ai dit que tu jouais avec le feu, Bernadette. Ta dame était le feu céleste. Le ciel t'a choisi. Et maintenant, tu ne peux pas faire autre chose que de choisir le ciel. N'est-il pas vrai? Oui. Tu aimeras la vie que mènent les sœurs Anneray. C'est un ordre très beau et très élevé, et qui a beaucoup de liens avec la vie pratique. Tout ce que vous venez de dire est vrai, monsieur le curé. Et je ferai exactement ce que vous me direz. Mais... Tu es inquiète au sujet de ta famille. Ce n'est pas la peine. Tu peux rester près d'eux quelques mois. Cela demandera du temps avant que le rapport soit complet. Et je me suis arrangé pour que ton père soit établi dans un moulin à La Paca. Et là, il pourra reprendre son ancien métier et ta famille pourra vivre à l'abri du besoin. Non, 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 non. Bernadette, un instant. J'ai encore une chose à te dire. Bien qu'en tant que membre de la commission, je ne devrais pas le dire. Comprends bien, j'ai pleine confiance en toi. Mais il reste un certain détail sur lequel j'ai toujours eu des doutes. Ce sont les mots Immaculée Conception. Si tu pouvais reconnaître que cette phrase n'a pas été dite par la dame, les choses seraient bien différentes. Si tu pouvais rétracter cette seule assertion, il pourrait y avoir quelque part au monde un coin écarté où te cacher et mener une vie normale. Veux-tu prendre un peu de temps pour y réfléchir? Je n'ai pas besoin de réfléchir, monsieur le curé, parce que je ne vous ai jamais menti. Et je dis que tu mentais. Et je ne veux pas me cacher dans un coin écarté. Au revoir, monsieur le curé. Des voyageurs te protéger. Un Saint-Christophe, c'est ce qu'on lui a offert. Avec deux, je serai doublement protégée. Allez, va monter. Vas-y, fiston.
prête. Tu dois la vie à Bernadette, tu diras exactement comme je t'ai appris. Oh, ce que tu vas nous manquer, bon, Bernadette. Est-ce que les sœurs sont gentilles? Oh, Bernadette, même si je devais vivre 100 ans, je n'oublierai jamais cette heure. Car c'est toi seule qui m'as arraché à la mort et m'a rendu tous mes... Tiens! Un Saint-Christophe. Oh, comme c'est gentil. Well, 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 Bernadette. I shall be only a moment. I'm sorry to be late, but it was unavoidable. I was making a speech at the depot. So my old and dear friend is leaving Lourdes. Bernadette, never will I forget those first days of trial and tribulation, when practically we alone stood side by side facing a doubting world. Always will I remember... Pardon me, Your Honor, but the sisters in the carriage grow impatient. What? And I've not yet said goodbye to my family. Oh. Will you excuse me? Oh, certainly, certainly. This is merely something to enjoy on your journey. Oh, thank you, Monsieur. And this. May the ever-watching patron saint of travel hover over your carriage and guide you safely to your destination. Je voulais faire mes adieux ici. Ouvre-toi bien, mon enfant. Et souviens-toi que je... Maman, je n'ai pas besoin de châle. Voyons, il y a du vent aujourd'hui. Et ton asthme. Louise, ce n'est pas le moment de parler de châle. On a tant à dire, et si peu de temps pour le dire. Puis, quand le moment arrive, on ne peut plus parler. On est trop ému. Au revoir, papa. Au revoir, mon enfant. Au revoir, maman. Au revoir, Bernadette. Dites au revoir à Madame Nicolo et à son fils. Pardon, chère sœur, je sais que vous avez attendu, mais puis-je avoir encore un instant? Nous devons être là-bas avant la nuit. Oh, il ne nous arrivera rien. Regardez, j'ai assez de protection pour nous trois et les chevaux. Entendu, mais dépêchez-vous. Je t'ai dit au revoir ce matin, je le sais. Mais j'ai encore une petite chose pour toi. Ne crains rien, ce n'est pas un Saint-Christophe. Tu n'en as que quatre. J'en ai pourtant béni cinq ce matin. Quelqu'un doit être en retard. Bernadette, il est parfois difficile d'exprimer certaines choses dans une lettre. Alors, où que tu te trouves, si tu as besoin de moi, envoie-moi ça. Et je comprendrai, je viendrai immédiatement. Monsieur le curé, si vous saviez ce que ça signifie pour moi... Au revoir. Je vous en prie, veuillez la laisser passer. Elles sont déjà en retard. Écartez-vous. Adieu, Bernadette. Que Dieu vous garde. Au revoir, Bernadette. Au revoir, Bernadette. Mademoiselle. Oh, oh,
monsieur, comme elles sont jolies. Je ne suis pas venu vous dire au revoir avec les autres parce que... parce que je voulais vous dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est, monsieur Antoine ? Bien, je voulais vous dire... Bien, ma mère commence à être vieille. Elle et moi, nous nous connaissons et nous nous entendons très bien. Alors, j'ai décidé de ne jamais me marier. Parce qu'une belle-mère et une bru, eh bien, ça ne s'entend pas toujours. Je ne me marierai jamais non plus. Eh bien, c'est cela que je voulais vous dire et... Maintenant, je vous souhaite bonne chance et bon voyage, Bernadette. Au revoir, Antoine. Vous êtes la postulante qui vient de Lourdes ? Oui, ma mère. Quel est votre nom ? Soubirous. Bernadette Soubirous. Quel âge avez-vous ? J'ai 22 ans. Que savez-vous faire ? Oh, je ne sais pas faire grand-chose. Dans la vie ordinaire, qu'auriez-vous aimé faire ? J'ai toujours cru que je ferais une bonne domestique. Est-ce que c'est vous, sœur Marie-Thérèse ? Oui, ma mère. Voici la maîtresse des novices à qui vous obéirez désormais. Voici Bernadette Soubirous, la nouvelle postulante. Nous connaissons. La postulante commencera la cuisine demain. Vous aurez à faire la vaisselle, cirer, frotter le parquet. Bref, vous aurez à vous occuper de tous les gros travaux. Mais remarquez que je ne vous donne pas d'ordre. Je vous le propose simplement. Si vous ne vous en sentez pas la force, ou si vous trouvez que ces travaux vous répugnent physiquement ou moralement, je désire que vous le disiez. Oh non, pas du tout, ma mère. Je serai heureuse de travailler dans la cuisine. Bon. Sœur Marie-Thérèse va vous montrer votre cellule. Avec votre permission, ma mère, nous devons... tout de suite nous occuper d'une autre chose. La postulante porte un nom qui a fait beaucoup de bruit dans le monde. Mais chez nous, les grands noms sont sans valeur. Même s'ils ont été acquis au prix de beaucoup plus de peine, nous nous dépouillons de tout ce que nous représentions au monde et de tout ce qu'il était pour nous. De plus, ce nom de Bernadette est un diminutif trivial et enfantin. C'est exact. Avant d'entrer dans votre noviciat, il faudrait que vous choisissiez un autre nom. Dans les circonstances actuelles, il vaudrait mieux le faire maintenant. Avez-vous réfléchi à la question ? Non, pas du tout. Quel est le nom de votre marraine ? Bernard. Alors, vous serez sûrement heureuse de porter le nom de Marie Bernard, mon enfant. Par ici, Marie Bernard. Cette cellule n'est pas à votre goût, Marie Bernard ? Oh si, ma sœur. Elle est tout à fait à mon goût. Vous apprendrez bientôt à l'apprécier. Cependant, sachez qu'un couvent n'est pas une prison. Nous n'exerçons aucune pression. Si vous ne vous sentez pas capable d'obéissance, vous trouverez la porte toujours ouverte. Bonsoir, Marie Bernard. Bonsoir, ma sœur. Marie Bernard. Oui, ma sœur.
À quoi pensez-vous? Je pense à ma famille. Les souvenirs du monde n'ont pas place dans cette maison. Nous sommes ici dans le but de nous concentrer, non pour rêver et vivre dans les nuages. Oui, ma sœur. Ce travail vous est répugnant? Oh non, ma sœur. Alors montrons notre désir de servir Dieu en travaillant avec application. Oui, ma sœur. Je remarque que sœur Marie Bernard boite. Oui, je l'ai vue aussi. Je crains fort que ce soit le désir prétentieux d'attirer l'attention sur elle. Je vais lui parler. Sœur Marie-Bernard, approchez. Oui, ma sœur. Je désire vous parler. Certainement, ma sœur. Dois-je finir ma prière d'abord? Ce que j'ai à vous dire est aussi nécessaire au salut de votre âme. Nous parlerons dans votre cellule. Oui, ma sœur. Veuillez m'excuser, ma mère. Asseyez-vous, Marie Bernard. Je désirais vous parler depuis très longtemps. Pourquoi boitez-vous? Oh, ce n'est rien, ma sœur. En boitant, vous gagnez la pitié des autres sœurs, est-ce bien cela? Mais je n'ai jamais... Vous oubliez que je vous connais depuis des années. Dans le monde extérieur, vous étiez célèbre. Les gens accouraient de toute la France uniquement pour vous voir. Ici, vous êtes une inconnue. Vous trouvez cela difficile à supporter? Oh, non. La tentation de conserver votre célébrité est sans doute trop forte pour vous. Vraiment, ma sœur. Jamais je n'ai dit ou fait quoi que ce soit pour attirer l'attention. Mon unique désir est d'être une sœur comme les autres. Rien de plus. Il y a 10 ans, je n'ai pas cru en vous. Je n'ai pas changé d'avis. Je ne vous ai jamais dit de mensonge. J'ai essayé de croire en vous. Dieu seul pourrait dire combien j'ai essayé. Mais je ne peux pas. Qu'est-ce que vous ne croyez pas? Ce qu'aujourd'hui tout le monde est prêt à croire. La dame? Oh, mais je l'ai vue. Je l'ai vue. Beaucoup de gens vous approuvent. Beaucoup, même notre Saint-Père à Rome. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Que savez-vous de la souffrance? Rien, ma sœur. Dans toute l'histoire de notre Église, les élus ont toujours été ceux qui ont le plus souffert. Pourquoi leur Dieu vous a-t-il choisi? Pourquoi pas moi? Je ne saurais vous répondre. Je sais ce qu'est la souffrance. Regardez mes yeux. Ils brûlent comme les flammes même de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de repos, de sommeil que je ne veux pas leur accorder. Ma gorge est sèche à force de prière. Mes mains usées d'avoir servi Dieu dans l'humiliation. Mon corps brisé par les travaux les plus durs. Ah oui, j'ai souffert, parce que je sais que la souffrance est notre seule chance de salut. Et si moi qui me suis mortifiée, je ne peux pas voir la Sainte Vierge, comment vous qui ignorez la douleur, osez-vous dire que vous l'avez vue? Je ne sais pas pourquoi on m'a choisie. Vous en êtes 100 fois plus digne que moi. Si seulement je pouvais être convaincue. Si vous pouviez me donner des preuves. Peut-être alors je pourrais croire. Peut-être alors ces monstres de doute et de haine cesseraient de consumer jusqu'à mon âme. Pour l'amour de Dieu, ma sœur, donnez-moi une preuve. Je voudrais vous aider. Mais je n'ai jamais souffert. Je n'ai jamais... Puis-je vous aider? Est-ce que ceci est une preuve pour vous?
Alors, docteur? Eh bien, outre la grosse tumeur qui se trouve sur le genou, elle est atteinte de tuberculose osseuse. Elle ne s'est jamais plainte de douleur? Non. N'est-ce pas? Elle n'en a jamais parlé? Je n'arrive pas à comprendre. Elle en est atteinte depuis fort longtemps. Et les douleurs et souffrances constantes si caractéristiques de cette maladie sont trop horribles à décrire. Mon Dieu, j'essayais de forcer les portes du ciel en me mortifiant, en me torturant. Je sais maintenant que nous devons être élus. Qu'il faut que vous nous accordiez la grâce, comme vous l'avez fait pour cet enfant. Pardonnez-moi, mon Dieu. Je l'ai persécuté. Je ne l'ai pas cru parce que j'étais pleine de haine et d'envie. Seigneur, permettez-moi de servir cet âme élue jusqu'à la fin des jours. Mon Dieu, aidez-moi. Mon Dieu, aidez-moi. Vous semblez un peu plus forte aujourd'hui, ma sœur. Oui, je vous remercie, ma mère. Un peu. Sœur Marie-Thérèse et moi, nous avons parlé d'un petit voyage que vous pourriez faire éventuellement. Un voyage? Nous pourrions aller jusqu'à notre couvent de Lourdes par petites étapes. À Lourdes? Ne devriez-vous entre tous bénéficier de ce que le monde entier a gagné grâce à vous? Ça n'est pas possible. Et pourquoi pas? La fontaine n'est pas pour moi. Pourquoi la source n'agirait-elle pas sur vous par-dessus tout? La fontaine n'est pas pour moi. C'est la dame qui vous l'a dit, mon enfant? Elle a dit. Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre seulement. La fontaine n'est pas pour moi. Merci, docteur. En ce cas, mon père, nous devons avertir Monseigneur immédiatement. Il veut entendre des lèvres de Marie Bernard une dernière confirmation. Sœur Marie Bernard, nous allons vous lire le procès-verbal final de la commission d'enquête qui s'est réunie en 1858. Il contient l'enregistrement de toutes les déclarations que vous avez faites à cette époque. Tout ce que nous vous demandons, c'est de confirmer les déclarations que vous avez faites. Vous en sentez-vous la force ? Février de l'an de grâce 1858. Moi, Bernadette Soubirou, ai été envoyée en compagnie de ma sœur Marie et de mon ami Jeanne Abadie ramasser du bois dans la forêt.
Confirmez-vous ceci? Je l'ai vu. Au lieu dit de Massabielle, je me suis reposé, alors que ma sœur et mon ami traversaient le gave. Confirmez-vous ceci? Je l'ai vu. D'abord, rien ne s'est passé. Et soudain, j'ai remarqué que votre pied dans la grotte s'est agité. J'ai trouvé cela étrange parce qu'il n'y avait pas. Je l'ai vu. N'arrêtez pas d'être venu nous voir? Non. Depuis 5 ans, je moisis dans le Languedoc, dans un trou affreux comme j'en ai rarement vu. Maintenant que je vois ce qui se passe ici, je comprends dans quel paradis je vis. Vous vous rendez compte quelle place l'enfer prend dans la vie des humains? Pauvres moutons ignorants. Pourquoi viennent-ils? Parce qu'ils ont la foi. Parce qu'ils sont désespérés. Parce que quelquefois, quelqu'un est guéri. Et parce que quelques malades imaginés, sous le coup de l'émotion, oublient une maladie qui n'a jamais existé. Oh oui, il y en a des centaines comme ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres cas qui ne sont pas si simples à expliquer. Hier, nous avons eu une femme affectée d'un lupus, tuberculose de la figure. Soudain, elle s'est découvert un nez et une bouche. Là où 10 minutes seulement auparavant n'existait qu'une large cavité pourrie. Je vous en prie, je ne suis pas un de ces bergers naïfs des Pyrénées. Nous possédons des photographies, si vous voulez les voir. Messieurs, à quoi bon? De semblables discussions ont lieu depuis bon nombre d'années, et je crains qu'elles ne continuent pendant longtemps encore. À ceux qui croient en Dieu, aucune explication n'est nécessaire. À ceux qui n'y croient pas, aucune explication n'est possible. Monsieur le curé. Oui, Adrien. Voici une lettre. Votre servante a pensé que c'était urgent et m'a demandé de vous l'apporter. Merci. Voilà le premier. Vous vous souvenez de l'enfant de bois? Est-ce que c'est tout, monsieur le curé? Oui, merci, Adrien. Vous devriez demander au docteur quelque chose pour ce rhume, monsieur. Non. Je n'ai qu'une petite laryngite. J'ai attrapé ça dans le train la nuit dernière. Ça sera fini demain. Excusez-moi, messieurs. Au revoir. Au revoir, au revoir monsieur le curé. Et je vous donne la permission, cher docteur, d'inscrire sur votre livre d'or que le mérite de ma guérison revient tout entier à Notre-Dame de Lourdes. Si je tenais un tel livre, je vous ferais figurer parmi les sceptiques qui, je l'affirme, quitteront Lourdes tout au moins ébranlés. Pas moi, docteur. Pas moi. À présent, Lourdes ne fait que me révolter. Jadis, c'était un village monotone mais agréable. Maintenant, regardez. C'est une énorme éponge qui absorbe tous les microbes du monde entier. Bonjour, monsieur Jean. Bonjour, docteur Dose. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Vous semblez aller mieux. Oh oui, docteur, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Merci. On dirait que monsieur Jean a la même voix que monsieur Dutour. Ne trouvez-vous pas? Tiens, je le remarque maintenant. Monsieur Jean a un cancer du larynx. Je ne suis pas comme ces milliers d'âmes dont la petite flamme brille d'espoir dans les ténèbres. Mon orgueil nous a toujours séparés. L'orgueil d'être un être supérieur. Mais maintenant, je comprends que nous ne sommes tous que de pauvres choses. Pauvres insectes, avec un système nerveux et de faux raisonnements. Un cancer vorace ronge ma gorge. Demain, je retournerai dans le Languedoc où je me cacherai dans quelques trous pour y mourir et plus jamais on n'entendra mon nom. Je serai seul. Seul et désespéré. Et pourquoi pas? C'est logique. Je serai seul parce que je n'ai jamais aimé personne. Personne, rien. Pas même moi.
Personne. Priez pour moi, Bernadette. Je ne vous ai pas menti. Dieu le sait très bien. Ils m'ont interrogé sans arrêt. Je l'ai vu. Dites-leur que je l'ai vu. Ils ne veulent pas me croire. Oui, mon tout petit, tu l'as vu. Et tu la verras encore. Je n'en suis pas sûre. Peut-être n'ai-je pas assez souffert. Tu as assez souffert pour mériter plus que le ciel. Oh, non. Je connais bien les malades. Nous exagérons tous un peu. Nos souffrances ne sont pas si grandes. Je crois que... Ma sœur... Vous souffrez davantage. Quel jour sommes-nous ? Mercredi. Mercredi. Et demain. Demain, ce sera jeudi. Madame. Madame. La dame ne veut pas venir, monsieur le curé. Je ne la reverrai jamais. Mais si, mon enfant. Non, j'étais stupide et paresseuse. Je ne savais même pas ce qu'était la Sainte Trinité. Je ne la reverrai plus. Je ne la reverrai jamais. Jamais. Je ne la reverrai. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi. Tu es maintenant au ciel et sur la terre. Ta vie commence, ô Bernadette.